Niet, Pascal Kokala vis Dylan von Glacier. Très qui est bien stiebnie, plus faudiet, qu'il corrable n'estolcon n'a dios nie. J'to mogout l'état na vodke. Спасибо, Дрейк. Да здравствует русская мама. Ура! Мы спасены! Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Cette semaine, l'une des cinq prétendants au poste d'impérator s'est exprimée dans l'émission Clean Shot, une émission faite par et pour des transporteurs s'essayant à la politique avec plus ou moins de succès. L'extrémiste pro-intelligence artificielle, qui veut donc aller à l'encontre des lois protégeant nos concitoyens, a choisi de s'exprimer face à des routiers pour convaincre le public bien fondé de son programme politique. Il est à se demander, au vu de ses choix, si Madame Addison est capable de décisions éclairées quant à l'avenir de l'Empire. Le présentateur a essayé tant bien que mal d'avoir des précisions sur son programme, mais évidemment, la candidate s'est contentée de rester floue, assurant que normalement les choses ne devraient pas tourner à la catastrophe. Le 10 octobre, il sera donc temps pour vous de choisir entre ces 5 candidats que nous avons essayé de vous présenter de la manière la plus neutre possible. Vous devrez bien sûr suivre vos convictions, mais rappelez-vous que le sort de l'humanité en dépend. Passons maintenant au jour des pirates qui a lieu en ce moment même. Fête traditionnelle ou débâcle, telle est la question que se posent les citoyens aujourd'hui. Car il y a de quoi s'inquiéter quand on sait que Drake Interplanetary fournit des buccaneers à qui souhaite troubler l'ordre public. Afin de recueillir les témoignages de nos concitoyens, notre envoyée spéciale, Ondine Vouman, s'est rendue sur le terrain. Nous la retrouvons tout de suite. Ondine, est-ce que vous m'entendez? Ah, je crois qu'il y a un problème technique. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, en effet, je vous entends. Ici, l'ambiance est à la fête. Les citoyens que nous avons pu interroger trouvent l'ambiance bon enfant et sont contents de voir qu'un tel événement arrive à rassembler les générations. Les spectateurs peuvent donc être rassurés. Il n'y a que peu d'incidents reportés. Je vous rends donc l'antenne. Merci, Ondine. Retour aux actualités. Nous vous en avions déjà parlé, jeudi, l'entreprise Microtech a présenté sa nouvelle application de gestion de marchandises qui devrait être déployée très prochainement pour coïncider avec l'ouverture des modules cargo que les syndicats de transporteurs réclamaient depuis longtemps. Le constructeur de maisons Demi-Kit, qui avait publié son catalogue il y a peu, a commencé à construire des villages de présentation pour que les futurs propriétaires puissent visiter les bâtiments avant de se décider. Cette semaine également, le reporter photo Yogmex a publié ses premières photos d'une lune de Pyro 5. Si le gouvernement ne nous avait pas averti que la zone était dangereuse, on aurait pu penser que c'était un endroit idyllique. Pour finir, les inquiétudes des scientifiques se confirment, les observations de concentration de gaz ont été étayées durant une étude grâce à des vérifications sur le terrain. Le pic de concentration devrait avoir lieu fin d'année, où le taux devrait être tel que les nuages de gaz seront visibles à l'œil nu. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles.